Libre, audacieuse, insoumise. J'ai eu un autre adversaire, mais par contre, celui-ci, je ne m'y attendais pas. Mm. Ce sont les femmes elles-mêmes. Ah oui. Nombre d'elles sont venues voir ma mère en disant « Mais tu ne peux pas laisser ta fille faire de la boxe. Oui. Ça ne se fait pas. » Elles ont affronté toutes les difficultés, toutes les discriminations. Bon, en 84, pour vous donner un exemple, on est en France. Oui. Les écoles hôtelières, il y avait très peu de filles. Oui. Et donc le banquier, je suis femme, je n'avais pas le sou, c'était très difficile. Les femmes au parcours hors du commun, aujourd'hui dans toutes les Frances, bienvenue à tous. On n'est pas toutes égales à travers le monde. La façon dont les femmes sont traitées, mais même légalement, ça paraît absurde. Est-ce que vous ne pensez pas que pour changer les mœurs, il faille commencer en fait par l'éducation, par la base, par les jeunes? Alors il faut communiquer en direction des jeunes notamment. Sur le site du gouvernement, une page dédiée au ministère des droits des femmes informe, renseigne et donne la parole aux internautes. C'est aussi l'école qui crée cela. Deux ségrégations très rapidement, il y a une ségrégation horizontale, c'est-à-dire le choix des filières. 80% des filles sont par exemple en section littéraire. Mmh. Elles sont simplement 45% en section scientifique. Mmh. Première ségrégation, puis la deuxième, c'est une ségrégation verticale. C'est que plus on va vers des filières sélectives et plus on a de garçons et moins de filles. Mais la question des préjugés, elle est essentielle.